Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va s'occuper ? On va s'introduire à une nouvelle matière que je viens juste de m'acheter, qui s'appelle Shadow Foam. Qu'est-ce que c'est ? C'est une marque anglaise qui fournit de la mousse. Alors bien sûr, cette mousse, elle est plutôt destinée à être utilisée dans votre grotte. Pour faire du bricolage et surtout pour pouvoir classer et mettre bien propre vos outils dans des servantes par exemple. Mais là je vais l'utiliser dans un contexte qui n'est pas le même, qui est celui de ranger toutes mes affaires qui me servent à faire justement les vidéos. Comme vous l'avez vu, j'ai une espèce de grosse boîte qui est anti-choc, anti plein de trucs, mais qui me permet de garder tout mon matériel bien propre à l'intérieur. Le problème c'est qu'il a été livré avec de la mousse prédécoupée. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des bouts de mousse qui commencent à se barrer. Donc, ce qui au début était super pratique est devenu ultra chiant. Donc je me suis dit, tiens, vu que justement, je viens de recevoir ce Shadow Foam, qui ne me sponsorise pas, mais s'ils ont très très envie, ils sont bien sûr les bienvenus pour m'envoyer du pognon et plein de matériel, évidemment. Est-ce que je peux pas utiliser ça pour justement mettre tout mon matériel vidéo à l'intérieur ? Alors, j'ai quoi comme matériel que je trimballe tout le temps ? J'ai bien sûr mon boîtier. Avec le small rig, j'ai bien sûr 5 batteries supplémentaires, j'ai 2 grosses batteries pour l'écran supplémentaire, donc j'ai un écran supplémentaire, j'ai un objectif en RAB, et j'ai quelques câbles et quelques trucs, et bien sûr j'ai un micro sans fil. Donc j'ai plus ou moins positionné ça, plus ou moins comme je le voulais, et je l'ai marqué avec un Sharpie et je commence à le découper. Quand vous commandez plus d'un certain montant, je crois que ça va être 45 livres, il vous envoie un kit de découpe, entre guillemets, qui est juste un scalpel, un manche de scalpel avec des lames, des gants pour pas vous couper les doigts, et une espèce de colle bizarroïde. Donc je découpe cette fameuse mousse, cette Shadow Foam, qui est plutôt une mousse dure et qui permet justement de la découper correctement et de faire en sorte que vos différents objets que vous avez stockés à l'intérieur vont être bien maintenus. Ici c'est le seul objectif, maintenir correctement tout le matériel quand je le trimballe entre chez moi et ma grotte Cradock ou quand je sors à droite à gauche pour aller faire des petites vidéos, ce qui est très très rare. Et en fait ça marche plutôt pas mal. Là j'essaye de faire une deuxième couche, pas vraiment utile. Mais que j'ai gardé pour mon objectif grand angle. En tout cas, c'est plutôt concluant. Je ferai, je pense, un épisode un peu plus complet sur l'utilisation de cette mousse au sein du bricolage, entre guillemets, et en particulier dans une servante, pour bien ranger tous vos outils super correctement et de façon ultra classe. Le but, c'est pas d'être classe, c'est de préserver mon matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie justement d'aller ranger des choses, d'aller voir tout ce qui se passe dans le monde merveilleux de la mousse. En attendant le prochain qui arrive dans pas longtemps, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. À très très bientôt.